Yeah. Be, that's what you gotta do. Can't nobody be black and there ain't no stopping you. C'est un album, je pense que c'est peut-être mon album le plus personnel jusqu'à maintenant. Pour moi, c'était dans un sens en retour à source. C'est avec cet album que je marque une nouvelle façon de penser, d'être et aussi de faire ma musique. Pour cet album, j'avais envie que ça soit un reflet de moi dans la vie où je suis aujourd'hui. Du coup, c'est beaucoup plus urban, street, et beaucoup plus hip-hop. Et c'est assez réussi, donc je suis content du projet, de l'album. Il y avait plein de belles rencontres avec ce nouveau album. Il y a mon pote Irfan qui vient pour un morceau. Et il y a aussi Oxmo Puccino. Les deux feats, c'est peut-être les deux morceaux préférés de l'album. Vraiment, il y avait un vrai feeling avec les deux artistes. C'était un vrai plaisir pour moi de bosser avec mes deux invités. Ils ont donné quelque chose vraiment, vraiment fort à l'album. De bosser avec Jeff, c'était... on n'aura pas cet album sans lui, ça c'est sûr. Le truc que j'ai apprécié le plus, c'est que quoi qu'il arrive, il n'a jamais arrêté de me pousser en studio, d'y aller encore plus loin. Il m'a poussé d'obtenir encore un autre niveau. Et pour ça, comment dire, c'est pas, je suis I'm very thankful. Pour moi, c'était une vraie expérience. C'était dur, c'était physique. C'était physique d'être en studio avec lui parce que il y avait des jours, où on avait fait trop de prises. Mais on a bossé jusqu'à le moment où on était content. Et on n'a rien lâché. Et je suis super content de la résultat final. On a trop hâte de se retrouver sur scène et de partager la musique avec les gens, quoi. Pour nous, c'est l'essentiel, quoi. Ça fait des années qu'on tourne en France et c'est pas pour rien, c'est parce que je pense que nous, on kiffe de jouer ici en France. C'est qu'on va faire plein de festivals, notamment le Main Square à Arras. On commence, une de nos premières dates, c'est Artifact en Strasbourg. Et il y a plein de dates qui va tomber d'ici dans la semaine qui arrive. Donc il faut que tout le monde reste stay tuned. Si j'ai dit de jouer en France, c'est un peu l'histoire de moi. Jouer à Paris, c'est... Man, just a whole nother level. I mean, à chaque fois on joue à Paris, c'est vraiment quelque chose de, comment dire, pour moi, de magie, quoi. Hey yo, check it out.